Bienvenue dans ce nouveau vlog vacances, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on s'en va dans un pays particulier. Mais tu peux un peu les expliquer? Expliquer comment? On part en France. Ouais. French. Dans quelle ville? Paris. Ok. Marianne a déjà dit. On va où, maman? Au Paris. Au Paris, c'est. Elle est contente. Dans la famille, comme vous avez compris, on s'en va à Paris actuellement et on va vous embarquer avec nous dans cette aventure, n'est-ce pas? Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, de liker, de commenter, de partager pour que notre belle team puisse toujours s'agrandir. Et si vous aimez bien ce genre de vlog voyage, quoi. Un peu. Quel pain, la famille? Le pain de Madame Lenoir. Le pain ou bien le pain? Rassis. Le pain rassis. Le pain croustillant. Ah bon? Hein? Le pain de croustillant. Le pain croustillant de Madame Lenoir. Ok. Moi, le café, tu conduis très bien. Okay? Celui qui fait ton bonheur. Ah bon? Ah oui, oui. La miniature. Et quand c'est les vacances, il faut sortir, il faut se balader, il faut découvrir. Pour ceux qui prennent les vacances, ils restent chez soi là. On n'appelle pas ça vacances, mais on n'appelle pas ça vacances. C'est important, la famille, c'est important. Quand vous avez l'occasion de sortir ou balader, tout, faites-le. C'est important parce que déjà, le pays stresse. La famille, vous savez, quand à Jamaïque, il y a les Jeux Olympiques, du coup, il y a les routes qui sont fermées. Et on a peur que. D4, D504 zu bleiben. Je crois qu'on arrive bientôt à la frontière. Alsace, ok. T'as qu'ils sont bien en France, non? Oui. Je t'ai écrit en français. Donc. Nous sommes bien dans la France. Nous sommes déjà en France. Oui, quand je vois, il y a les panneaux comme ça là. Ouais, les panneaux aussi, quand même, Strasbourg. Leurs panneaux ne sont pas jolis comme pour nous. Comme pour nous en Allemagne. Ouais. Mais non, c'est quand même joli. Hein. Faut pas que notre famille de la France se sent un peu délaissée. C'était la blague. Im Kreisverkehr abfahren auf D4. Ma chérie, on est en France, on parle au français. Im Straßenverlauf von D4 noch 3 km folgen. Centre de Marc, France, Brigadi, on est en France. Mayan, on est déjà en France, ok? Ok, Mayan? Edo! Quelle était là? Edo! Oh! On a encore 513 km pour arriver à destination. Ouais. Et comme pas à Paris. On part à Paris. Non, on est parti de Paris. Paris. Du Paris. Mais beaucoup de personnes disent Paris. Non, les Allemands disent Paris. Ils disent que c'est un Allemand en Paris. Paris. Oui, Paris. Allez, Paris. On part à Paris. Il dit que oh, j'adore quand on parle français. Le français, c'est trop chaud, c'est trop mignon, c'est une très belle langue. Ah, on me dit ça au travail, je suis contente. Je suis même encore mon habit comme ça, je suis contente. Et les Allemands, quand ils vous voient, ils savent que vous venez peut-être d'un pays où on parle français. Et que, ok, bonjour, bonne journée, merci. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oui, attends, la carte, oui, c'est comme ça que les gens disent. Oui, madame, ma carte. 480 km. Wow. Fais un tour par le Brexit. Qu'est-ce que tu fais? Je vois les choses dans les gardes. C'est cher jusqu'à. La famille, une petite pause. Richtung Nordosten. La famille, une petite pause va devoir s'imposer. Dem Streckenverlauf 800 m folgen.
On a hyper faim. Tu n'as pas là-bas, je vais dans le mur là-bas devant. Parce que si je vais partir, garer encore long à moi, je vais encore comme si je partais. On va un peu essayer de regarder si on peut trouver un petit truc à mettre sous la dent. C'est qui cette belle fille? Au cas contraire, si aussi c'est pas cher, on va devoir rebousser chemin. Et ça, famille, dans l'autre vlog, j'ai tout vous dit que c'est bien de préparer sa gamelle lorsqu'on voyage. Pour ce, par exemple. Dépenser n'est pas un problème. Mais nous, on n'a pas eu le temps, franchement. Vous savez, comme ça, on fait les va-et-vient, on part dans cette vie, on part ici. Du coup, il n'y a pas eu le temps de se préparer, quoi. Mais bon, bref, on va essayer de voir ce qu'on va prendre. Et ouais, donc on se prend à tout à l'heure, famille. Enlève le pull. Il y a un soleil de fou. Faudrait être prévu mes lunettes de soleil. Tu peux d'abord être prévu de l'eau. Je vais descendre. Il fait tellement beau. Ouais, chop chop là. Hi. Qui t'a dérangé? Regardez, tu as mis un pantalon un peu. Tu veux chier, tu dis que tu veux pisser. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire ça. Je vais chier. Il va tout dire que je vais pisser. C'est pas, il y a la nourriture. Donne-nous l'argent alors, le père. Donne-nous l'argent, le père. Non, ça va, les trucs mettent là-bas. Tu vas payer avant de venir avec la carte. Hein? Tu vas payer, on paye là-bas avec la carte. Il y avait un homme moro dans la voiture, je pense. Où on a utilisé ça? Je n'ai pas de pièces, mais je pense qu'il y avait un moro là. Je vais essayer de manger un petit truc. Tu veux manger quoi? Basmèches tout? Croissant? Toi, qu'est-ce que tu veux? Cuisine. Mais regarde, les pommes à 11 euros. C'est 11. Même ça, ça veut dire qu'il est mort. Reste à savoir même si c'est bon. Qu'est-ce que toi tu veux, Vanille? Vanille, qu'est-ce que tu veux? Tiens, vas-y. Tu veux quoi, maman? Croissant? Il y a des bacs qui avaient au banc, elle est payée, tout à 4 euros. Tu vois, si tu ne veux vraiment rien. Hein? Comme ça, c'est même que Dieu. Ça. C'est bon quoi? J'ai bien mis de goûter ça, ça peut quand même. Oui, il n'y a pas mis. La famille, on va essayer ceci. Ou bien ça. Mais bon, bref, on verra. Maman. Prends deux croissants. Ça va, c'est bon, trois. Tu me dis qu'elle t'en a 3, 6, c'est possible. Ça va faire 3 euros. S'il y a 3, tu prends 3, non, 3. On se débrouille avec. Tu vas voir. Non, on prend le pain tout sucré. Faut te filmer, ça va prendre, ça prend les gens. Enfin. Quoi?
deuxième péage. Dis-moi pour le volume, s'il te plaît. Mayan, baisse ton volume, s'il te plaît. Ok. Oh, c'est un péage. On veut payer quoi ici? Quelle carte? C'est ici, hein? Le premier péage était juste pour prendre le ticket. Et là maintenant. Mais c'est pas possible là. On a encore un deuxième péage. Ça... Mais c'est pas vrai ça. En Allemagne, vraiment, on ne connaît pas ces péages là. Mais ici là, tu traverses une ville, il y a le péage. Ça, c'est là le troisième péage. Imaginez pas péage, il faut payer. C'est pas vrai ça. Mais la dernière fois qu'on a voyagé, c'était deux, non? Oui, ils ont encore créé ceci en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Vraiment, ça vient de l'écouter. Man, diminue ton volume là. Baisse ton volume, s'il te plaît. Payez, 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 payez. Maman? Diminue encore un peu, s'il te plaît. Le palais blanc. Qui m'a dit précisément les euros? Pour la carte. Oui, maman, merci. Ça, c'est le troisième péage depuis qu'on a décidé de prendre la route. Vous savez que l'autre, le premier, c'était le ticket en fait. On a pris. On finit sur le ticket. Yes. Et c'est vrai que sur le même ticket, tu vas encore payer. Je vais payer. Non, apparemment, je ne sais pas s'il va prendre le ticket et si vous payez encore devant. Il vient prendre et payer directement. Ouais. C'est maintenant ici qu'il y a la douane, les agents de la douane. Et pourtant, depuis les deux derniers précédents, on n'a pas vu quelqu'un. C'est ouais. Juste les automates. Yeah, il faut encore payer quelque chose. Oh, la carte, là. Il faut encore payer quelque chose. La carte, elle souffre de... Elle souffre, franchement. Non, non. Nous sommes en copéage, Mayan. Il faut payer. Il faut payer. On est arrivé. Nous y serons presque. Mais on a encore de la route à faire. S'il vous plaît, ça ne fonctionne pas? Tourne un peu le sens. Oui, la carte. Tourne le sens, tu as mis ça, mets les mains. Tourne le sens, c'est la carte. On peut payer en bas. Non, c'est Comment ça prend un peu? Ah ok, merci. Pourquoi ça embête? Ah, quand t'es fatigué. Mais la famille, voilà encore notre péage. Ça veut dire que ça c'est le 40e. Au final. Le troisième. Cette affaire de péage, ça veut dire que comment on prend le ticket là, c'est pas encore payé là-bas devant. Non, c'est exagéré. Ça fait combien de péages au total sur la route, même pour aller en France? Et nous sommes déjà en France. C'est trop. On a payé deux fois, tu payes deux fois 20 euros, 10 euros par truc. Après là-bas, il va encore falloir payer. Non. Ça, c'est le jour que tu arrives, tu vas payer.
je l'ai tendu. Quelle route? Tu as mis la vieux machin là. Carrément, je n'ai dormi, je suis fatiguée. Tu veux le ticket si tu as le ticket? Tu as le ticket? Voilà. Là, mon frère, Wanda, heureusement que vous êtes là. Sur le banc pour ça. Si que je suis une. Yeah, 26 euros. 26 euros, ouais. Oui. Vous voyez vous la magie. 26 euros. Vous pouvez venir en voir. Okay. Vous gagnez 26 euros. Ok. Ça, c'est trop la famille. 26 euros. Ça fait en tout combien? Aïe. Plus 20 euros, je dirais 50, 56 euros. Ok. Non, ça, c'est la frappe. Ça, c'est la frappe. Ok. On a payé près de 25 euros là-bas derrière. 20 euros. Ou bien? C'était combien? 20 euros? 10 euros. On a payé d'abord deux péages de 10 euros. Et maintenant, ici, là, c'est 26 euros encore. 30. Non, ça, c'est exact. Non, c'est ça, c'est fort, ça, c'est fort. C'est fort. L'argent que tu avais peut-être prévu pour le carburant, on est tout. Maintenant, tu es obligé de payer le péage. C'est quoi qui se fait là-bas pour acheter? C'est fort. 26 euros, c'est trop fort. Mamie, j'ai tellement dormi. Mais également, c'est pour ça. C'est le même prix également, c'est pour ça. C'est le même prix également, c'est pour ça.
perdre un mètre de pied. Juste ici, j'arrive à relaxer. Pour la crève, parce qu'en Allemagne, les gars sont trop, ils sont trop forts pour crever. Elle peut être bon sang, elle peut être bon sang. Ils aiment la crève. Même si on diminue, ça va être un seul senti. Parce que le salaire des Allemands, tous vont descendre dans la rue. Imaginez que maintenant, on leur dit par exemple qu'ils te paieraient des Berlin à, c'est pas à Stuttgart. Il va falloir payer 20 euros. Imaginez vos scandales que ça va poser. Ça c'est pour les motos ou bien quoi? Je sais pas tout ça veut dire, mais gars, moi je suis dépassé, je comprends plus rien. Regardez vous-même, voilà encore notre péage. Weiter geradeaus auf A4. Regardez. Oui, c'est coupé. Hein? Je pense qu'on ne peut pas téléphoner parce que je vois là aussi. C'est comme si c'était ici, c'est seulement pour payer ou un peu plus. C'est comme... Je ne comprends pas. Cette affaire-ci là. Il ne montre rien. Hein. Non, ça refuse de passer comment? Regardez. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça, il y a le prix. Moi, tu donnes le prix. Là-bas, c'est différent. C'est bien. Crude. Ah. Mais ça veut dire qu'on aurait dû, de l'autre côté, on pouvait choisir sur le procès. Non, comment? Je ne sais pas comment, comment ça se passe de l'autre côté là même. Non, la famille, ce qu'on fait, c'est aussi pour que vous puissiez aussi tirer les leçons. Hein, parce qu'on a tellement payé. Mais laisse d'abord. Tu sais quoi? Tu vas me laisser quoi? Ça fait. Ta 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 ta
ça. Die Ausfahrt D274 nehmen. Akuba ist la Mais je nous cogner la tête. Ah, famille, vous me regardez. Regardez un peu la route. C'est net comme au Cameroun. Tu dis, c'est net comme à Mokolola, non? Ouvrez la poste. Et les péages, je ne peux pas autant payer là, c'est pourquoi en fait. Franchement, regardez. En Allemagne, tu peux voter comme ça. Jamais. Jamais. On paye le péage, on paye. Si au moins on prenait l'argent là pour pouvoir arranger bien les choses. Geradeaus. Famille, nous sommes déjà presque arrivés dans la ville. Ton père, oui, demande à cause que tu as demandé à ton père. On dit pas qu'à la seconde, il est directement. Oui, et après, tu as encore dit quoi que tu es fou, dis-moi. C'est pas du papa. Ah bon? Il t'a donné ça, une maman. On nous met aussi dans le lot pour qu'on ne meure pas. Tu manges, Maya, tu peux dire non. Ça, c'est le Vumba. Maman dit Vumba. Ok. J'espère que c'est bien ça ici. En tout cas, les gars, la famille, ils sont mariés. Est-ce qu'il y a la cintube du pompe? Je le prends de monsieur. Pour un petit. On reste dans la voiture. Tu as vu, je suis dans la voiture. Oui. Voilà. La petite est impatiente et descend. Rien. On va où? En Paris. À Paris, comment tu penses qu'on est à Paris? On a interpellé tout. Ça va? Tu es déjà grande comme ça? Oh ouais! Le grand! Oui, le père! On dit quoi, non, on est influencé. J'ai dit qu'il va même sortir, je suis casse jusqu'à. Mais quand vous allez le voir, vous avez trop dur en route. Vous avez le bon, venez me la donner. Ah, tu veux partir en vacances? Coucou la famille, nous sommes en train de faire une petite balade en famille. C'est un peu baladé. Avec Tonton Duki le Noir. Oui, à Ketne. Oui, à Ketne. Oui, à Ketne. Viens, viens. Mayan, comme ça. Mayan, viens. Présente Tonton Duki le Noir. Oui, Ketne. Mayan, c'est qui ici? C'est Tata Duki. Qui? Tonton Duki le Noir. On dit Tonton Duki. Le Noir. Le Noir Blanc. Tonton Duki. Dis que c'est Tonton Duki le Noir Blanc. Oui. C'est Duki, c'est Stéphane. Mounen. C'est mon petit frère. Mon petit frère d'une autre mère. Kunta Kinte. Papa. Yeah. Ton petit frère et Tata Vanessa. Non. Maintenant, comment tu as fini? Tu as fini? La petite. Elle ne connaît pas le. Il a dit son mon petit frère d'une autre, mais elle ne connaît pas l'autre. Tu as fini, mais. Oui, mesdames, elle dit que j'ai raté. Oui, mesdames, elle dit que non. Du moins, elle a dit que ma petite soeur, c'est Tata Vanessa. We'll be right back.
un petit coup de vent. Question de visiter les recoins de la ville, apprécier la France et oui, passer des bons moments avec les siens. Pas de plus beau. Le soleil est en train de me frapper trop. Ouais, je suis essoufflée parce que j'ai monté la petite colline que vous avez vu tout le temps. Avec Inaya. Ça, c'est elle a trouvé son terrain. Tu descends alors, hein? Descends, ça va, je vais prendre une photo ici avec. Je sais pas que le pas où c'est bien posé, bien posé. Où sont dans les rues? Noisy le grand. La rue